Bonjour Aujourd'hui j'avais envie de parler de Glace Glasonium, c'est un peu du nom de réalisateur, ben, je vais le mettre là, désolé. La distribution, je la mets là aussi aussi pareil. Euh, je commence par euh, un petit rôle. Hugh Grant, qui a un tout petit rôle. Euh, rapidement, Hugh Grant démarre sa carrière en 1987 dans le film Les routes de Nairobi avec euh, Charles Dance. Euh, ensuite, j'accélère en 1992, les lunes de fiel qu'on connaît. Ensuite, en 1994, euh, quatre mariages en intermédiaire aux côtés de Randy McDowell et de Christine Scott-Thomas qu'on a vu avec Slow Slowhouse. J'accélère jusqu'en 2002 avec euh, un film pour un garçon avec Nicolas Hoult qu'on a vu dans le menu. En 2012, il joue aussi dans Cloud Atlas des Wachowski. Ensuite, il joue dans un film James Bond, pas James Bond, Uncle de Guiricci qu'on a vu avec Brad Pitt dans le film Babylone. J'accélère en 2020, il joue dans Gentleman de nouveau de Guiricci. En 2022, il joue dans Glass Onion. Et en 2023, il jouera dans Donjon et Dragon qui, on espère tous, sera un bon reboot. Je continue avec un féminin filmé Klein qui a eu un petit rôle dans Stranger Things. Elle joue en 2020 dans euh, Outer Banks, je crois, je ne le nom de plus, je ne me souviens plus. Elle joue en 2018 dans un très joli film aux côtés de Russell Crowe, Boys and qui est euh, très joli. Si vous pouvez le voir, regardez-le. Et en 2022 directement dans Glass Onion. Parmi les noms un peu connus, on a Ethan Hawke. Ah, Ethan Hawke, c'est compliqué. Je continue avec Ethan Hawke qui commence en 1989 dans Le cercle des poètes disparus aux côtés de Regretté Robin Williams. En 1995, il joue dans Before Sunrise. En 2004, il jouera dans Lord of War, aux côtés de Nicolas Cage, qui est un bon acteur. En 2013, il joue dans Before Midnight. En 2014, il joue aussi dans Body Out, qui est aussi un des films de Richard Lingletter. En 2014, il joue dans un film qui est plutôt sympa, qui est Prédestination, qui a été mal reçu, mais qui est très joli. Et qui est très sympa, que moi j'ai beaucoup aimé. Predestination, si vous pouvez le voir, regardez-le. En 2020, il jouera dans Tesla. Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. En 2022, il jouera dans The Northman, qu'on a déjà vu avec Tanya Taylor-Joy dans le film Le Menu. Et en 2022, dans Gastonion. Un rôle que j'ai beaucoup aimé, c'est Leslie Odon Jr. On le connaît plutôt pour la série Personne dans l'Interest, saison 3, il me semble. En 2017, il joue dans Le Crime de l'Orient Express, un film de Kenneth Branagh avec euh, Johnny Depp, il me semble bien. Donc là, on rentre sur la série Agatha Christie, on retient bien ça. Et jouera en 2017 dans un très joli film que je vous conseille, Harriet. Et en 2022, Glass Onion. Parmi les rôles féminins, on a Kate Hudson. Elle démarre sa carrière en 1998 avec des films pas très connus, donc j'accélère jusqu'en 2020 avec Dr. T et les femmes de Robert Altman, avec Richard G, Liv Taylor, euh, Fawcett et Ellen Hunt. J'accélère jusqu'en 2009, elle joue dans Nine aux côtés de Marion Cotillard, euh, Judy Dench, euh, Penelope Cruz, Nicole Kidman. Et Sophia Loren. En 2012, elle joue dans un film qui n'est pas facile du tout, c'est Intégriste malgré lui, qui dit ce qu'il veut dire. En 2015, elle joue dans un film un petit peu ovni, Rock the Cabbage, avec Bill Murray et Bruce Willis et Zoé Deschanel. En 2017, elle joue avec Chadwick Boseman dans Marshall. En 2018, elle joue dans Musique, aux côtés de Leslie O'Donnell qu'on vient de voir à l'instant et elle joue, donc, dans du jet dans Glastonium. Première femme féminin, on a Jessica Henry. En 2014, elle joue dans Dr. Liebenstein. On la connaît plus, peut-être, pour son rôle dans Star Wars 7 en 2015. Elle joue, en 2020, dans Underwater, avec euh, Vincent Cassel, qui n'était pas un très bon film. En 2020, elle joue dans ce film de Sofia Coppola, On the Rock, aux côtés de Bill Murray. En 2020, elle joue dans un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Love and Monster, qui est un, une dystopie... Euh, écologisto-catastrophique. Enfin, c'est un film très sympa, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un grand film machin, mais c'est un film qui est divertissant, qui est honnête et qui est sincère et que je vous conseille de voir si vous pouvez le voir. C'est un bon divertissement. Elle joue en 2021 dans Max 4, elle joue en 2022 dans The Man et en 2022 dans Glass Onion. On continue avec Catherine Anne, qui est connue pour son rôle de méchante dans WandaVision, la série télé. Plus tard, elle commence à s'accroître dans un film qui s'appelle Comment se faire la guerre en 10 leçons avec Kate Hudson, qu'on vient de voir à l'instant. Jacques Serge, qu'en 2007, elle joue dans un film très sympa. Si vous avez des enfants, ben, je vous le conseille. Musique qui est très jolie, qui est un trop joli conte hein, pour les enfants. En 2009, elle joue dans Les Noces Rebelles, aux côtés de DiCaprio et de Kate Winsley. J'accélère juste en 2015. Elle joue dans Vais-Visite de Night Shalaman, Enfin, Le Retour en Grâce. Elle joue en 2016 un très joli film, un très joli conte, Capitaine Fantastique, que je vous conseille de voir. Et 2022, Glace Onion. Les rôles masculins. Donc, je ne suis pas très courageux, je commence par David Bautista, qui a été catcheur en WWE, qui obtient son premier titre en 2005. Il participe à un premier film en 2006, Mon vrai père, dans lequel il joue le rôle d'un. Catcher. En 2012, il joue dans Le Roi Scorpion 3. En plus sérieusement, en 2012, il jouera dans L'Homme au point de fer, au côté de Russell Crowe et de Lucille. En 2013, il aura un rôle de second couteau dans Riddick de David Towie. On le connaît pour son rôle en 2014 dans Les Gardiens de la Galaxie. En 2015, il joue dans un Jazz Bond 007 Spectre, aux côtés de Ralph Fane qu'on a vu avec le menu. En 2016, il joue dans un des remakes de Kickboxer, c'est le deuxième reboot de Kickboxer, il joue le rôle du méchant Tom Poe, ben, c'est un plaisir coupable. C'est un petit bonbon, je l'aime beaucoup et si vous pouvez le voir, regardez-le. Il est vraiment très bien, honnêtement. Et en plus, il y a un Georges Saint-Pierre. En 2007, on le retrouve dans La gardien de la Galaxie 2, mais je préfère en 2017 dans Bushwick. Alors, Bushwick, c'est un quartier de Brooklyn à New York. Et c'est un film qui est plutôt sympa, je vous conseille. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. C'est un film plutôt intimiste et très sympa à regarder. En 2017, un film un petit peu plus connu, le reboot remake préquel de Denis Villeneuve, euh, Blade Runner. En 2018, il joue dans Avenger 3. En 2018, il joue euh, dans Hotel Artemis avec Jodie Foster et Zachary Quintos. C'est un petit film pas connu, qui mérite d'être connu. Euh, sympa, honnêtement. Tranquille, popcorn devant le canapé. Très sympa. Regardez-le, il est trop sympa, voilà. On continue en 2019 avec Avengers 4. En 2021, il joue dans un film de Zack Snyder, euh, Army of the Dead. Bah, et le film, est dit son nom, c'est un film avec des morts vivants. Il est plutôt sympa, oui, vraiment. J'ai bien aimé. En 2021, on le retrouve avec Danny Villeneuve dans Dune. Il jouera le rôle du méchant Rabban. Et en 2022, Glass Onion. On le retrouve en 2023 sous la direction de Night Shalaman. Night Shalaman, on vient d'en parler à l'instant avec Catherine Hahn. Il jouera dans le film Knock in the Cabin et on le connaît aussi pour son rôle dans la série C aux côtés de Jason Moore. On continue avec les rôles masculins, donc la vedette du film Edward Norton. Edward Norton démarre directement avec un film excellent en 1996, leur primaire aux côtés de Richard Gere. Euh, si vous pouvez le voir, ce film, regardez-le, regardez-le en version originale. Parce qu'ils ont très joli la voix, enfin, les interactions sont très importantes. Donc, je ne suis pas un intégriste de la version originale. Regardez-la en version originale, il est vraiment très bien. C'est un très bon film d'Edward Norton, et là, c'est son premier film, et euh, voilà. Il enchaîne en 1996 avec le film Harry Flynn. On le retrouve en 1996 dans le film de Woody Allen, Tout le monde dit I love you. En 1998, il joue aux côtés de Mad et de Malkovich dans Les joueurs. 1998, American History X. Encore une fois, je ne suis pas un intégriste de la version originale, mais si vous pouvez le voir, D'abord, il faut pouvoir le voir, c'est un film qui est très très dur, qui est très très violent. Vous avez la à côté de moi. Ça donne le, le temps. C'est un film qui est très sympa, qui n'est pas un film gratuit. Si vous ne pouvez pas le voir, ne le voyez pas. Mais si vous pouvez le voir, essayez de le voir en version originale là aussi. Parce que Edward Norton. On enchaîne en 1999 avec... Fight Club, David Fincher, aux côtés de Brad Pitt qu'on a vu dans Babylon déjà. En 2000, il fait passer derrière la caméra, donc il sera aussi réalisateur de Au nom d'Anna. En 2021, il jouera dans The Score de Frank Oz. En 2002, il jouera dans un film improbable de Danny DeVito aux côtés de regretté Robin Williams, Crève, et Crève. En 2002, il jouera dans un biopic Frida, Frida Kahlo. 2002, un des 50 000 préquels de Hannibal, Dragon Rouge. J'accélère en 2005, Kingdom of Heaven, Ridley en 2006, l'illusionniste aux côtés de Rufus Sewell qu'on a vu dans la série Kaleidoscope. 2008, Hulk de LeTerrier aux côtés de Tim Ross, qu'on retrouvera dans la série Shin J'accélère en 2012 dans Moonrise de Wes Anderson, qu'on retrouvera en 2014 dans Grand Hôtel Budapest de Wes Anderson. En 2014, je joue dans Birdman de Inaritu, aux côtés de Michael Keaton, qui joue Batman mais qui joue pas Batman, qui est un film plan séquence. C'est pas un film facile à voir et euh, est, il est bien, mais il n'est pas gratuit. C'est pas un film gratuit à voir. J'accélère jusqu'en 2019, je joue un petit rôle dans Alita. J'accélère jusqu'en 2021 avec euh, Friend Dispatch. Wes Anderson, c'est leur troisième film. Au côté de Bill Murray, avec Tilda Sildon et avec Léa Seydoux qui a un bon rôle dedans. Et en 2022, Glass Onion. L'autre vedette du film, Daniel Craig, qui est le héros protagoniste du film. Daniel Craig, c'était dur de trouver des photos de lui qui n'étaient pas en lunettes, pas en costume. Euh, C'est un peu compliqué. Hein. Il démarre en 1997 dans Berlin-Niagara. Il joue en 1998 dans Elizabeth, aux côtés de Kate Blanchett, dont on a déjà parlé dans le film TAR. Il joue en 2000 dans Je Rêvais d'Afrique, aux côtés de Vincent Perez de, de Kim Messenger. En 2021, il a un petit rôle dans Lara Croft. En 2002, il joue dans Les sentiers de la de Sam Mendes, retenez le nom, aux côtés de Tom Hanks et aux côtés de Paul Newman. Et ce sera le dernier film de Paul Newman en tant qu'acteur. Il jouera ensuite plus tard des voix dans Cars de Pixar. J'accélère en 2005, Munich de Steven Spielberg. En 2006, je le cite parce que c'est un film d'animation que j'aime beaucoup. Il a simplement le rôle d'une voix. C'est le film Renaissance, qui est en noir et blanc, que en noir et que en blanc. Euh, si vous pouvez voir, regardez c'est un film qui est très sympa, mais qui est pas facile à voir, donc. Il est compliqué ce film, mais je l'aime beaucoup. En 2006, Daniel Craig en filme son costume de 007, James Bond dans Casino Royale, et jouera en 2007 dans un film qui s'appelle Invasion, un des nombreux body snatcher Il y a celui de 1993 de Baël Ferrara, qui est presque sympa, mais qui finit en queue de poisson. On a celui de 1956 de Don Siegel, qui est plutôt sympa aussi. Il a joué dans À la croisée des mondes et La boussole d'or, on le retrouve en 2008 dans James Bond dans Quantum of Jacques J'accélère en 2011 dans Cowboy et Alien, qui est un film, ben je l'aime bien. Euh, désolé, c'est un petit plaisir coupable. C'est des cowboys avec des aliens. C'est improbable et c'est sympa. En 2013, il refait un film d'animation, Tintin 3D. Tintin, ça a l'air plutôt sympa. Steven Spielberg, Peter Jackson et euh, flop. En 2011, il joue dans Millennium de David Fincher. David Fincher qu'on a vu tout à l'heure avec Edward Morton, aux côtés de Brad Pitt qu'on connaît avec Babylone. Alors Millennium de David Fincher, je vais pas jouer le vieux camp en disant que l'original de 2009 est mieux, je vous conseille vraiment l'original de 2009 avec No Rapace, mais c'est que le film de 2011 de David Fincher c'est un film hollywoodien, il ne peut pas être bien, il y a plein de censures que ne peut pas passer Hollywood, que se permet justement le film européen, et typiquement le personnage féminin se fait violer, et c'est très dur, c'est pas facile à voir, c'est pas gratuit, donc si vous pouvez pas le supporter, ne voyez pas l'original, mais si vous pouvez le voir l'original, ben euh, c'est très dur, et c'est pour ça qu'il est mieux le film, parce qu'on ben, n'a pas d'un chat, un chat, un viol, un viol. Jacques Seller, 2012 et 2015, James Bond, 007, Justin Mendes, qu'on a déjà vu dans un précédent Mendes, et dans les Fortes des les avec Daniel Craig. Dans Spectre, il joue aux côtés de Dave Bautista, qu'on retrouve dans Onion*. Il joue aussi aux côtés de Ralph Fiennes, qu'on retrouve dans Le Menu. En 2017, il joue dans Logan Lucky, dont on a déjà parlé avec Catherine Waterson dans Babylon. En 2019, il joue dans A couteau tiré, partie 1, je vais en reparler. Entre temps, en 2021, James Bond 007. Et en 2022, la partie 2, Glace Onion, la partie 2 de A couteau tiré, la partie 1. C'est pas des suites, hein, vous pouvez voir le Glace Onion sans avoir vu A couteau tiré. C'est que euh, les mêmes personnages qui fait des enquêtes un petit peu comme euh, Meurtre au bourg du Nil, le, le crime de l'Orient Express dont on a un petit peu déjà parlé. J'ai regardé des rôles féminins avec euh, Janelle Monae. Elle joue en 2016 dans Moonlight. Elle joue aussi en 2016 dans l'excellent film... Euh, biopic, pas tellement biopic mais enfin... C'est basé sur des histoires vraies qui sont regroupées dans un seul film. Les Figures de l'ombre. Elle joue en 2018 dans Bienvenue à Marwen, un très joli film de Robert Zemeckis. En 2019, elle joue dans Henriette, un film dont j'ai déjà bien inventé le mérites et je vous conseille d'aller le voir avec Odom Leslie Jr., dont on a déjà parlé précédemment. En 2020, elle joue dans The Gloria, un biopic sur Gloria Stellen, une féministe. En 2020, elle joue dans Antebellum. Et en 2022, elle joue dans Glass Onion. Elle joue aussi en 2018 dans la série Electric Dream. Euh, les nouvelles de Philippe Caddy, je crois. Elle joue aussi aux côtés de la sœur d'Eric Roberts, dont on a parlé dans euh, Babylone, Julia Roberts, dans la série Homecoming. Et pour finir par les rôles féminins, Angela Lansbury, qu'on connaît plus pour son rôle dans la série Arabesque. Elle a un premier film en 1944, aux côtés d'Ingrid Bergman, dans 1944-2023. Ça fait 60 ans de carrière, je vais faire ça en mode accéléré. En 1946, elle joue dans Les Demoiselles d'Orvée aux côtés de Judy Garland. En 1949, elle joue dans Le Danube Rouge pour faire justement écho au Danube Bleu. En ah, 1949, elle joue dans Samson et Dalila, aux côtés d'Eddie de Lamar, la grande Eddie Lamar. Vous la connaissez forcément si vous regardez cette vidéo sur un téléphone portable, sur le wifi ou si vous utilisez le, le GPS. Je vous mets la vidéo de Jamie qui vous explique tout ça. C'est simplement l'inventeur ingénieur du Wi-Fi et du protocole de GPS. J'accélère en 1958 avec les fêtes de l'été, avec Orson Welles aux côtés de Paul Newman dont on a parlé tout à l'heure avec Daniel Craig, avec Sam Mendes, les fantômes de la perdition dont c'est le dernier rôle. Je speedrun jusqu'en 1971 de la sorcière. Euh, Marie Poppins euh, Wish de Walt Disney, 1978, euh, Mort sur le Nil, euh, dont j'ai déjà parlé de Kenneth Branagh qui est un Agatha Christie, Hercule Poirot. J'accélère jusqu'en 2018 dans Marie Poppins 2, le retour du préquel, dans lequel elle aura un petit rôle de caméo, comme dans Glastonium en 2022 dans ses derniers film, parce qu'elle est morte en octobre 2022. Et voilà, donc je finis avec Angela Lansbury qu'on connaît pour Arabesque, pour rôle de détective, qui est exactement le thème de Glass Onion et de Couteau Tiré, dont j'ai parlé aussi d'une manière différente avec le film de Laurent Express et Morcelini de Canel Bradag, qui sont des enquêtes de détective. Après cette longue introduction et les filmographies des différents euh, acteurs, qu'est-ce que j'ai pensé du film ben, je l'ai bien aimé. En fait, j'avais déjà vu le premier, et c'est en faisant mes fiches pour cette vidéo que je me suis rendu compte que c'était la suite. Et euh, ben voilà, c'était bien. Je l'ai vu sans savoir que c'était la suite. Et ça marche finalement. C'est un bon film de détective. À contrario de... du film de Kane Branagh ou de Morse-le-Nil dont on a parlé avec euh, Angela Lansbury, c'est plutôt un film à la usual suspecte. On a tous les éléments qui sont sous nos yeux, donc on a plein de scènes qu'on voit. Et après, on a des flashbacks, on nous remonte les mêmes scènes. Et Effectivement, il y a une scène typiquement, on nous remonte la scène. Et donc, moi, j'ai regardé mon film. À la fin du film, j'ai revu certaines scènes. Et je suis revenu en arrière, j'ai fait effectivement, la scène, elle est comme ça. On a une scène qui se déroule. Bon, on n'y fait pas trop attention. Plus tard, on a un flashback qui est raconté et on nous remonte cette scène sous plusieurs angles différents, avec différentes histoires sur cette scène-là, laquelle est vraie, il y en a une qui est vraie, laquelle je vous laisse découvrir, et une fois que j'ai fini mon film, j'ai ramobiné le vrai film pour voir la vraie scène, j'ai fait d'entre, comme un petit peu dans Je suspecte ». les éléments étaient sous nos yeux, et quand on voit le film se dérouler, effectivement, à la fin, il y a plein d'éléments qui sont sous nos yeux, qu'on a depuis le début, et là j'ai fait, c'était cool. Contrairement à ce que j'aime moins dans euh, les Agatha Kistri, pour autant, Kenneth Branagh, dans euh, le film de Laurent Express dans Morphling s'en tire plutôt bien. Dans un style que j'aime pas trop, Kenneth Branagh s'en bien. Alors que d'habitude dans euh, ben, euh, les films d'Angela Lansbury, Morpheline de 1978, ben j'apprécie moins. Hein. C'est quand même des bons films, je me régale. C'est Angela Lansbury, c'était bon film, Je me régale bien, mais il y a le côté où je te donne pas tous les indices et euh, ah bah ben oui. tandis que là, justement, dans A Couteau Tiré et dans Le on a tous les détails, on a vraiment euh, l'indice qui est planqué dans la scène, qu'on voit, qui est là, qu'on nous montre, que vous voyez, et quand on vous met le flashback, et que vous finissez le film, que vous rebobinez le film avec vous. Ah ouais, merde, ça y était. Et c'est cool. Et j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, ce sera mon conseil. Voilà, c'est un film honnête, sincère. Je vous le conseille vraiment. Je suis, comme vous voyez, je suis très enthousiaste pour ce film. Et euh, l'intrigue est plutôt bien, euh, bien ficelée, a des rebondissements qui sont vraiment cool, avec des intrigues qu'on nous amène dans des endroits, on se fait avoir dans l'autre. Et, et, et ah ben non, c'est cool, vraiment cool. Euh. Donc euh, mon conseil c'est, vous n'êtes pas obligé de revoir à couteau tiré, vous pouvez les voir dans le désordre, vous pouvez ne pas voir le premier, vous pouvez regarder à couteau tiré, ne pas regarder Glasogne, enfin voilà. Vous êtes euh, des adultes, vous êtes grands, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille juste de le voir parce que je me suis bien régalé, c'était bien cool. Voilà, merci. Au revoir.